vous avez déjà parlé, encore une fois, qui était le Crystal View Extreme, qui est une solution utilisant de la nanotechnologie pour éviter que vos lunettes buent. Dans le fond, à cause du masque, entre autres. Personnellement, je ne l'ai pas essayé parce que je ne porte pas de lunettes vraiment. Je vais l'essayer bientôt, moi. J'en porte pour être beau. Là, mais non, joke. Mais je l'ai fait mettre dans les lunettes de mes enfants. J'ai fait tester par les enseignantes de mes enfants. Et pour les enseignantes de mes enfants, il semblerait que ça a vraiment changé la vie. Puis ça, c'est les mots qu'on m'a dit. Fait que j'exagère pas. Pour mes enfants, les filles me disaient que ça buait moins. Mais je n'étais pas assidu à traiter leurs lunettes quotidiennement ou aux deux jours. J'ai appliqué à quelques reprises, mais comme je te mentionnais, en dehors des ondes, c'est 600 utilisations ou 6 mois. Je crois que pour avoir une bonne utilisation, parce que mes filles m'ont dit après quoi, ouais, mais je lave mes lunettes souvent. C'est sûr que si tu laves tes lunettes, ça a tendance à retirer un peu du produit de sur la vitre de tes lunettes. Mais bref, c'est un produit à base de... C'est du dioxyde de titanium, TiO2. C'est une formule qui a été faite en Allemagne. Donc, c'est pas un produit chinois. Je connais des gens qui distribuent le produit ici pour avoir testé le protecteur d'écran. Un peu d'un même genre de. Qu'on applique un peu similaire, mais en tout cas, c'est différent, là, mais qui est aussi, lui, un produit allemand. Je vous le conseille, si vous avez un peu de buée, là, je pense que ça vaut la peine de l'acheter, c'est 15 $. Et surtout avec les masques. Avec les masques, on passe ces temps-ci, là. Moi, personnellement, ça m'achale quand je vais dehors. Je pense qu'on n'a pas fini là, de porter des masques. Là. On va peut-être faire un peu comme la culture asiatique, plutôt qu'on est un peu malade d'en porter en public. Là. Ça vaut la peine. C'est 15 $ l'emballage. Je pense qu'elle achète 4, la livraison est gratuite. Mais ça vaut la peine. Achetez-en plusieurs. Puis je pense que ça pourrait bien se donner dans un bon Noël ou envoyé par la poste comme cadeau de Noël peut-être à vos parents ou vos amis qui portent des lunettes. Ça va peut-être. Vous allez peut-être changer leur vie là, ou la rendre plus agréable. Tu voulais nous parler d'un nouveau produit québécois que tu as découvert. Oui, effectivement. T'étais pas sûr si c'était